Attends, par contre, ouais. Lucas, toi, t'avais pas, t'avais rien à faire. Tu t'es tatoué tatou. Parce que j'avais pas d'idée. Quelle originalité, parfait. J'aurais fait un truc comme ça, tu vois. Genre une Snapchat. Voilà, vas-y. Vas-y, refais la photo. Refais. Comme ça. Ouais, avec comme ça. Je fais ça. Avec en mode. C'est un peu dégueulasse. Après, on va choisir. Hein. Les photos rafales sur. J'aimerais avoir aussi un envers de corps de blog. Ah, le bâtard. Tu l'as aussi. J'ai juste eu ça. Oh juste... merde. Il y a une tradition qui dit qu'il faut m'appeler madame 10 fois par jour. Hier dans l'avion on m'a appelé madame, hier à l'hôtel on m'a appelé madame, là aujourd'hui 3 fois déjà madame. Mais c'est à cause de tes beaux cheveux là, on adore, on adore. On a une blague de JB, on a une blague de JB. Franchement le professeur il m'a saoulé hein. Et je pars pas de la casa des papels, je pars de la rue. Pour JB. Tu bien? Oui, je comprends pas espagnol. Estoy americano. Et lui il a des blagues tellement... Un peu lourd. Ouais, de ouf, j'osais pas le dire. Mais on peut le dire. Voilà. C'est pas un problème. On peut déblatérer, on peut en parler. Voilà, des choix comme ça, c'est bon. Ça fait du bien. Alors Jojo, t'aimes bien le bourrec? Ah ouais, c'est trop bon. Ah bah j'aime bien. Si tu veux, oui. C'est pas dire bonjour. T'aimes bien? Ah bah parfait. Allez, couche. Ah non, c'est des nouilles. Non, ouais, ça s'appelle Alchita. Ouais, tu le fais de plus en plus haut. Le point, il est là, ok. D'accord. Ouais. 3, 2 et 1. Nice. Waouh, quel homme. Allez, on applaudit tous. Bravo. Coucou. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, deuxième jour à Alger. Hier, je n'ai pas trop pu vlogger comme ça et vous parler parce que j'avais trop la voix cassée. Je l'ai toujours, mais ça va mieux. Mais hier, je parlais genre comme une gogole. La seule personne avec qui j'arrivais à parler, c'était Agda parce que elle est dans la même chambre que moi. Du coup, on parlait super doucement et tout, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, elle est là. Agda, tu veux dire bonjour à mon vlog? Coucou tout le monde. Donc pour ceux qui connaissent pas Agda, c'est une influenceuse, elle est venue avec moi en Algérie. Et voilà, on partage la même chambre. En kiff, en profit. D'ailleurs je dois vous montrer la vue, elle est incroyable, genre vraiment. On a la vue, donc c'est incroyable. Magnifique. On a la petite piscine, mais on a tellement un programme chargé aujourd'hui qu'on pourra pas en profiter. Donc du coup, comme vous le savez, je suis en Algérie grâce à Candor. Donc du coup, c'est pour faire la promotion du nouveau Allure M3. À l'intérieur de la boîte, on a deux coques. Donc voici la première coque, elle est noire. Et la deuxième, donc plus simple, transparente. Donc comme vous avez pu le voir dans les images, hier on a visité la Casbah. C'était vraiment incroyable parce que j'avais jamais fait. Et ça m'a donné en fait une autre image d'Alger parce que pour moi, Alger en fait, c'est ce que je viens de vous montrer. Genre, c'est ce qu'il y a derrière moi, vous voyez, genre Alger la Blanche, les immeubles blancs. Alors que la Casbah, c'est vraiment différent. C'est vraiment le vieux quartier d'Alger, tu vois ce que je veux dire. Même pour les éboueurs, ils passent avec un âne, tu vois, tellement c'est petit, c'est étroit. Donc là aujourd'hui, les gars, ils sont pas là, ils sont partis dans une autre ville pour visiter les usines. Et aujourd'hui, je passe la journée avec Agda. On va aller faire, je pense, shopping et visiter encore un peu Alger. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure, je vous fais de gros bisous. Salut! On était au resto, on était en train de manger au calme et il y a deux abonnés. Coucou. Qui nous ont suivis toute la journée, c'est un truc de ouf. J'étais en cours. Oui, ils étaient en cours, ils nous suivaient et tout. Et là, bah, ils nous ont trouvés au resto grâce à ma story Instagram. C'est ouf. Et ils ont fermé moi, j'arrive pas à parler. Voilà, donc c'est super important de me suivre sur Insta, comme ça au moins vous savez où je suis, si je voyage et tout, comme ça vous allez savoir. Donc ça me fait plaisir, franchement, c'est cool. Merci d'être venu, vous êtes trop sympa. Vous voulez passer une dédicace à quelqu'un? Non. Non, ça va? Ok. Dédicace. Et moi, je passe une dédicace à Junior. Junior, tu kiffes Junior? On t'aime trop, Junior. Ah bah voilà, Junior, t'as vu? T'as plein d'abonnés en Algérie, faut venir ici. Il faudrait que tu viennes, frère. Mais non, il va venir. Bye bye. Ouais. Regarde. Ouais. Bonjour les gens, avant-dernier jour à Alger. Donc là c'est notre dernière journée pratiquement parce que demain on rentre à 10h. Bon, moi j'ai pas le même vol que les autres parce que je rentre vers Orly, vers Charles de Gaulle. Du coup on peut dire que c'est ma dernière journée avec Agda et tous les autres. Je suis un peu triste parce que franchement ce voyage était vraiment cool. En plus on s'entend bien, du coup c'était que du positif et ça c'est cool. Donc là j'ai vraiment hâte de commencer cette nouvelle journée. Encore une fois, super belle vue de ma chambre. Genre je kiffe, tu te lèves le matin,
T'as cette vue. Donc là, on y go parce que ça fait, je pense, une heure qu'on nous attend. On a mis grave, grave du temps à se préparer. Donc là, c'est parti, on va pas les faire attendre plus longtemps. Bisous. Donc là, on est descendu de notre chambre. Agda est trop belle aujourd'hui, j'adore son rouge à lèvres. Merci, vous avez pas vu elle. Hein. Le rouge à lèvres, on est d'accord. Il est magnifique. 4 bandits. Oui. Donc là, on cherche Hamza. Il va nous tuer. Ça fait une heure qu'il nous attend, Miskin. Ouais les amis, on vient d'arriver au port de Sidi Farouj. J'aime trop, ça me rappelle un peu le port de Marseille mais en plus petit. Donc là, on va aller faire une petite recherche de restaurants. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, les Algérois, tous les bons restaurants que vous connaissez. Comme ça, si on revient la prochaine fois, bon, on ira à vos adresses. On fera peut-être une vidéo en mange dans les restaurants des abonnés. Ça serait cool. Bien sûr, comme d'habitude, on commande du Ifelfel. Bon, ici, il l'appelle le Hamis. Alors, Agda, tu kiffes? Ah ouais, c'est tellement bon, ouais. Tous les jours, on commande ça. Tous les jours, genre avant de manger, on est obligé de commander du hummus. Incroyable. Donc voilà, ça se mange comme ça. Ça, c'est du pain tagine. Genre la galette, je sais pas si vous avez vu ma vidéo dégustation algérienne avec mon cousin. Mais je parlais de ça en fait. Et c'est tellement bon. Direction le meet-up. J'espère qu'il y aura du monde, hein, parce que sinon, ouh, l'archouma. C'est non, on vous arrive plus. Ouais, de ouf. Allez, fais le focus là. Donc là, arrivé au centre commercial, on a retrouvé les garçons. Ils sont de retour. Et de retour, on adore. Parce qu'on est là. Pour vous. Pour vous jouer un mauvais tour. Non, de retour parce qu'on revient. Alors, c'était comment votre usine? C'était pas dégueu. Ah bah. Très sympathique, on a vu comment on fait des climatisateurs. Ah bah cool, t'as. Des climats, des télé, des frigos. Carte mère. Ah oui, j'ai vu ça. Et comment on fabrique des pecs. Donc là, on vient d'arriver au meet-up. C'est un truc de ouf parce que on s'attendait pas à ces gens. Regardez. Il y a. Ça va, il y a des gens. En fait, parce qu'il est 20h et en Algérie, il n'y a pas trop de transport la nuit. Ouais, c'est à côté de l'aéroport. Là, Lucas, il a ramené une foule incroyable, juste grâce à ses cheveux. Voilà, il est passé de photographe. Il est passé de photographe de Jojol à influenceur pour cheveux. On adore. On fait du bruit. Donc là, fin du meet-up. En fait. Il m'avait peur, je t'ai pas vu. Alors, et qui on a gagné hier jeux. Qui est le meilleur joueur d'un point, il a gagné d'un point. C'est tout. C'est tout. Avec Joanne, on a des cadeaux. Ah, trop bien. C'est pas dégueu. Trop bien. Bonjour à tous, je suis influenceur, je suis parti avec eux en Algérie. Grâce pas du cheveux. Tout. Voilà, pas du tout, je suis pas du tout influenceur. En fait, quand il est arrivé, il est devenu influenceur. Voilà, non, en fait, je les ai croisés à l'aéroport, quoi, direct. Ouais, voilà. Et ils ont kiffé mes cheveux, ils m'ont dit, tu veux venir avec nous la semaine? Je fais, ouais, pourquoi pas, j'ai rien à faire. Voilà, exactement. Voilà. Et on a de la chance en plus, on se retrouve dans le même avion demain pour rentrer. Mais c'est un truc de malade. Oh, incroyable. C'est incroyable. Voilà. Non, sérieusement, à part ça, on a fini le bowling. C'était vraiment cool. Non, mais elle est nulle, vraiment. Mais... Non mais et toi tu t'es vu? J'ai fait un strike. Un seul, mais après c'est que des zéros. J'ai fait un strike. Non mais voilà, je fais un spare. Ça compte un spare, ça va. Ah, enfin à l'hôtel, on est tellement fatigué. Donc là je suis avec Agda. J'ai dit au revoir au mec parce que demain j'ai un vol en fait différent du leur. Parce que moi je vais vers Orly et eux vers Charles de Gaulle. Donc là je me relève parce que j'avais un peu mal à la tête en parlant comme ça. Ça faisait vraiment vraiment chelou. Mais bref, je disais vraiment merci. On vous kiffe, n'est-ce pas Agda? Du même avis que moi. Non, franchement, c'était vraiment cool. Après, comme je l'ai dit encore, désolé de pas avoir prévenu avant. On a prévenu vraiment 2-3 heures avant le meet-up. Et voilà, mais vous inquiétez pas, on va revenir et on va faire d'autres meet-up et on sera beaucoup plus nombreux. Et voilà, c'est cool quoi. Je vous fais de gros bisous et merci encore. Salut!